Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. » Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. On se rappelle la destinée de Sodome et de Gomorre, détruites par la colère du Seigneur. Et c'est exactement cet exemple que Jésus nous donne aujourd'hui à méditer. Quelle est la destinée que nous voulons pour notre vie? Voulons-nous nous convertir, recevoir la parole de Dieu comme les villes qui autrefois ont reçu le témoignage de Jonas, ou alors voulons-nous continuer à errer perdus dans notre péché en nous tournant vers les ténèbres et vers la mort? Jésus nous interpelle vivement pour que nous fassions le chemin de la vie, de l'amour et de la miséricorde. Essayons d'écouter sa parole, essayons de l'appliquer dans notre vie. Amen.